Bonjour à tous et à toutes, je suis Arlus et bienvenue pour la suite de Neverwinter Nights 2. Dans la dernière session qui a été chaotique, mais heureusement le problème a été réglé. Regardez, je bouge normalement. Alors, parenthèse de 30 secondes, c'est à cause d'un pilote qui est trop récent qui fait que la carte graphique a un peu de mal à gérer le déplacement du personnage, mais c'est réglé, j'ai un pilote de secours pour cela. La dernière fois, nous avons donc été dans le quartier de Lac Noir, ce quartier qui nous avait été longtemps promis, mais les missions de la garde, la corruption, les personnes de l'USCAN, etc., etc. Nous y avons été. Nous avons découvert dans une bibliothèque que un mage assez puissant avait une fille qui était Chandra, la fermière. Nous y sommes retournés pour essayer de lui expliquer la situation, mais elle a été attaquée, sa ferme dévastée. Et actuellement, elle s'est fait enlever. Du coup, nous avons un nouveau personnage. Nous gardons évidemment Khelgar, le bourrin, Kara, la magicienne ultra pétée. Et Bishop. Bishop qui sera notre nouveau personnage obligatoire pour cette mission. Je mets ma petite carte. Je n'ai évidemment pas pu vendre des trucs parce qu'on s'était arrêté là. On va sortir. Et nous allons continuer le jeu. Bishop étant un magicien? Magicien, bizarre. Ensorceleur. Ah, attendez, ensorceleur. Suivez-moi. J'en profitais, je vais découvrir ce qu'il a. Normalement, c'est F, exactement. Soins légers, enchevêtrement, protection, etc., etc. Parfait, mais je vais prendre des livres de sorts. Sorts mémorisés. Non, moi je vais faire autrement. Camouflage, confrontation de créatures, enchevêtrement. Ah, intéressant. Ça, on va le mettre, du coup, j'en profite, je découvre ça. Morsure magique. Rend le compagnon animal plus puissant. Intéressant, intéressant. Donc ça se met avec la convocation de créatures. Résistance aux énergies destructives, la cible bénéficie d'une résistance. Le soin léger, très utile. Et on sort de niveau 2. Nous avons le camouflage de masse. Oh, camouflage de masse. Tous les alliés. Oh, très intéressant ça. Ça, je prends. Je ne peux hélas pas l'utiliser pour le moment. Convocation de créature niveau 2. Ça va être utile. Et je vais du coup le combiner avec la morsure magique. Alors, ça se met à zéro parce que ce sont des sorts qui n'étaient pas enregistrés. Justement. Mais là, ça va changer. L'enture ensuite. Croissant d'épines. Couvre tout le terrain de petites. Pointe, donc un sort d'attaque qui serait utile. L'endurance du loup, c'est pour un personnage. La constitution est augmentée de 4. On va le rajouter juste ici. La grâce féline, dextérité plus 4, on va la mettre ici. Immobilisation de l'animal. L'animal pris pour cible paralysé, sort pas grand chose. Et la peau d'écorce augmente. Pour le moment, on est à peu près à ce niveau-là, donc un plus 4, pourquoi pas. Protection des énergies destructives, oui. Sagesse du hibou, à savoir ça servira pour examiner des objets. Et un sommeil. Ah, le sommeil, ça pourrait être extrêmement utile. Bien. Donc tout ça a été réglé. On fait un repos de manière à avoir des sorts qui sont rechargés. Et nous allons pouvoir y aller. Ah non, je peux pas, vraiment. Donc Bishop nul. Très bien. Mais Oui. on va garder cette. On va garder ça pour le moment. Moi, c'est toujours tout bon. Et bah du coup, on peut y aller. Écoutez, ça me paraît bien. On va avancer un petit peu dans l'histoire. J'aimerais quand même qu'un jour on passe à l'acte 2. Vraiment. Parce que ça, je mets beaucoup trop de temps et je le sais, je m'en excuse. Alors, du coup, il faut parler à Bishop, vu que c'est notre quête. Allez voir Bishop quand vous désirez vous lancer aux trousses de Chandra et de ses ravisseurs. Et bah, Bishop, normalement, je peux lui parler. Qu'est-ce que tu veux? Je suis pas payé pour te faire la causette. Si je te paye, tu sais pas me parler. T'auras jamais assez d'or pour t'offrir ma conversation. Oh là là, diplomatie. D'accord, je retire ce que j'ai dit. Mais pour ce prix-là, tu n'apprendras pas grand-chose. Donc c'est 20 balles pour apprendre à lui parler. Ah, tiens donc. Ce brave Duncan ne paie rien pour attendre. Et dis à Duncan que la prochaine fois qu'il l'ouvre, je lui arrache la langue. Imbécile d'ivrogne.
Je n'ai jamais été très ami avec ces assassins de bas étage. On dirait une guilde de voleurs surdimensionnés à la botte de la tour des Arcanes. Si on tient à la vie, on apprend vite à éviter leurs patrouilles. Et on continue tant bien que mal jusqu'au jour où la chance tourne. Ah, tiens, donc non, ça, je le sais. Je les transperce de mes flèches le plus souvent. Ou je les traque pour que d'autres les tuent. Cette réponse te suffit? Je suis qu'à moitié sérieux, mais c'est tout ce qu'une poignée d'or pourra m'arracher. Eh ben, c'est déjà pas mal. Bien. Eh ben, nous allons nous rendre, du coup, sur les quais. Tant donné que, bon... à moins que... Attendez, je suis en train de me poser la question. Est-ce que c'est pas plutôt quand je suis dans l'auberge et que je dois lui parler qu'on doit y aller? À mon avis, ça doit être ça. Oh là là, c'est tellement mieux. Je vais juste vérifier ça, dans le doute. Non, c'est pas oui. Comme ça que ça marche. Bon, bah, parler à Bishop, moi je veux bien aller voir Bishop comme vous désirez. Oui, bah écoute, let's go en fait. Sauf que... Ah, parler. Qu'est-ce que tu veux? Donc, oui, mais... payer pour te faire la D'accord, bon. Bah, sert à rien Bishop, merci, merci beaucoup. Ça n'a servi à rien, et ben super. Bah du coup on va aller on va voir. À mon avis c'est dans les docks que ça va se passer. C'est ce bateau, à mon avis, c'est ce bateau-là. Ce bateau-là, le bateau des Luscaniens. Il y a encore un des drops que j'avais laissé sur le combat de boss. Oh, il y a quand même. Hein. C'est beau. C'est beau, c'est beau. J'ai laissé quoi? Un collier en or. Bon, je prends. Et du coup, Bishop, où est-ce que je dois aller? Est-ce que je dois sortir de la map, peut-être? Ça me paraît être le bon choix à faire. Non, il n'y a pas de... Ouais, il n'y a rien ici. Je vais prendre le parti de sortir de la map et peut-être que ça va me débloquer l'endroit où je dois aller. Si c'est pas ça, je vais tout casser. Ah oui, il y a un chemin de l'autre côté, évidemment. Je ne comprends pas pourquoi il y a des murs ici. Qu'est-ce que c'est censé séparer, les gars? C'est très bizarre, très étrange et pas pratique. Littéralement pas pratique. Un chemin qui mène à une vers la traversière, donc un endroit où tu peux décéder. Et t'as un endroit où tu vas à la ville, normalement. Très, très bizarre. Ah oui, pour ceux qui se demandent si la qualité de la voix changeait, c'est parce que j'ai fait un petit investissement dans un micro qui fait un petit peu résonner la voix parce que je suis dans une pièce où il n'y a pas beaucoup de meubles, pas encore, mais la qualité me convient bien bien mieux plutôt que le vieux micro que j'avais. Alors, qu'est-ce que j'ai? La ferme, non, village d'Ember. Eh ben voilà, c'est d'ici qu'on doit aller, le village d'Ember. Ça on l'a déjà fait, tout le reste on l'a déjà fait, et bah let's go le village, en fait. Attends, quelque chose cloche.
Bien vu. J'ai remarqué pour les villageois. Mais tu as raison pour le bétail. Mais nous sommes sur la trace de nos amis. Ils se déplacent vite, mais on gagne du terrain sur eux, semble-t-il. La piste saute aux yeux. Ils savent peut-être où ils vont, mais ils ne prennent pas la peine d'effacer leurs traces. On dirait qu'ils s'arrangent pour qu'on les rattrape. Je n'aime pas ça. Ah, c'est pas une très très bonne idée. Je sens le coup fourré. Oh oui, tu as bien raison. Oula, qu'est-ce que c'est que cette petite zone ? Ember. À mon avis, ça sent pas très très bon. Je le savais. Je le savais. Je le savais. Je le savais. La technique, très simple. On se regroupe tous. Contrôle de Kara et les sorts de zone. Je vous rappelle les strats, hein, c'est comme ça que ça fonctionne. Ensuite, juste un premier sort. Histoire d'être sûr. Et on se fait encore toucher donc. Oula, oula, monsieur, un petit problème. Ah, j'ai mon personnage qui commence à pas être bien. Hop là. On y va, on y va. Ils ont un magicien. Ils ont un magicien. Pas bon signe ça. Tous sur le magicien. Sur le Gitianki. Toi. J'ai mon personnage qui va décéder. Hop là. Hop, le Gitianki, vraiment très important. Voilà. Et du coup, on va partir sur le dernier ennemi. Heureusement qu'il s'est soigné. Jolie petite embuscade qu'il nous avait préparée là. Effort notable, mais réalisation déplorable. Sans moi, ça aurait même pu marcher. Ah, il en reste. Dire que je me demandais où était passé leur renfort. Allez, on n'en a pas encore terminé ici. Ah, oula, oulala, oulala, oulala. Hop, on va faire deux sorts. Deux sorts, s'il te plaît. Voilà. Toi. Le Gitianki, je rappelle, ennemi très compliqué. Ils ont posté le gros de leurs troupes dans ce village. Notre tâche n'en sera que plus facile lorsque nous aurons rattrapé l'avant-garde. On la rattrape. Pourquoi ? Après ce massacre, ils nous craignent au moins autant que les Gits. Laisse-les se terrer dans leur maison et qu'ils y pourrissent. Je m'étonne que les Gits les aient épargnés. Je n'en aurais pas fait autant. Très bien. Non, ce sont les villageois eux-mêmes qui expliquent la présence des Gits. Dis-moi que tu n'es pas aussi aveugle que ça. Tu viens de Port-Nuit, c'est bien ça ? Duncan m'a raconté ce qui s'était passé là-bas. Que crois-tu qu'il serait arrivé à ton village boueux si vous aviez tous décidé de vous terrer pour échapper aux Gits ? Tu sais aussi bien que moi ce qui serait arrivé. Au moins je suis lucide, moi. C'est d'accord. Partons d'ici. Nous avons encore du chemin devant nous, et... Pardonnez-moi. Vous êtes sur la trace d'une femme, Chandra Jero ? Oui. Nous l'avons entendue appeler à l'aide, tandis que ces créatures l'emmenaient. J'ai essayé d'intervenir, mais... Je n'ai d'abord pas compris qu'ils l'avaient capturée. Mais elle a fait la tournée des marchés entre Ember et Port-Last à la saison des moissons. Mais nous ne l'avions pas vue de l'année, et... Excusez mes manières. Je me nomme Alain. Je vous en prie. J'ai vu les créatures l'emmener en direction des montagnes au nord-est. Elles ont à peine une heure d'avance sur vous, mais elles se déplaçaient vite. Et merci de nous avoir sauvés de ces monstres. Vous avez notre gr... Oui. Il n'y a pas de promesses qui tiennent. Elles pourraient être mortes, que ça ne ferait aucune différence. Maintenant... Courez vous terrer chez vous avec vos poltrons d'amis. Mais mec, t'es le pire bishop la ferme. Soit ! Cajole-les autant que tu veux. Mais tu les condamnes à une mort certaine. Bon, on peut y aller ? Autant éviter que d'autres de ces pecnos s'accrochent à nos basques. La piste se refroidit. T'es le pire mec. Sache-le, t'es le pire personnage que j'ai rencontré jusqu'ici. Et puis on va pas les quitter tout de suite parce que j'ai envie d'un petit peu explorer ce village, hein. Que ça te plaise ou non, connard.
Putain, Jiro, pas Jiro. Bishop, un petit peu énervant. Et surtout, on a quand même pas mal de drops. Trousse de secours. Ah, ça, c'est vraiment utile. La porte est fermée. Ah, pas si fermée que ça, au final. Crochetage impossible. Ah, oui, c'est une porte en scénario. Très, très bien. Porte en scénario. Porte en scénario, scénario. Scénario. Scénario, scénario, et je pense que oui, les portes là-bas aussi. Oui. Bien, et ben, si je ne peux ouvrir aucune porte, alors continuons. Je vais quand même sauvegarder. J'aimerais éviter de tomber sur une très mauvaise surprise. Ce serait ballot quand même. Vous allez, voilà, vous voyez la date à laquelle j'enregistre, c'est déplorable. C'est déplorable, et même moi, je m'en veux. C'est vous qui avez détruit, c'est vous qui détruirez. Quoi? Oula! Un immense pouvoir émane de ce garçon si puissant qu'il en devient aveuglant, l'air qui l'entoure et en est saturé. Quoi? Je vais faire l'ascension pour ensemble, mais ce n'est pas vous. Ember n'a peut-être sauvé tous ceux de ce village périront lorsque l'heure viendra, tous sauf moi. Vous avez sûrement un objet qui ne garantirait ma survie, mais vous ne pourrez m'aider autrement. Et deux autres villages. Le sort d'Ember est figé dans la pierre, au contraire du mien, mais sans traite, je suis condamné. La prochaine fois que vous me verrez, je serai mort. Pour le bien de pas divers, je souhaite que le destin vous épargne un tel sort. What? Marcus, reviens, gamin. Reviens, gamin. Qu'est-ce que c'est que ça? D'accord. Alors, attendez, je suis curieux. Qu'est-ce qui se passe si... Qu'est-ce qui se passe si je lui donne un objet? À mon avis, ça doit être un éclat, ce qui est fort probable. Et c'est même 99% probable. Il a... Ah, il était derrière. Oui, alors ça d'accord. Merci, mais vous ne possédez rien qui me soit utile. Et lui? Lui? Bishop? Et si un peu de charbonnier, je te coupe les deux mains. Ce coup, il est différent. De quoi? De quoi? Mon couteau a dépecé, je l'ai depuis toujours et il est tout ce qui a tigre dont je suis. Il reçoit un grand pouvoir qui ne serait. Et qu'obtiendrons-nous? Rien pour le moment, c'est dans ma gratitude. Bishop, à moins que tu décides de lui planter dans tes yeux, je le garde. Alors comme ça, très bien, je n'oublierai pas et rappelle-toi de ce que tu me dis. D'accord. Je lui ai donné un couteau, donc ça c'est une action. Mais Bishop, il avait pas de couteau dans son inventaire, qu'est-ce que tu racontes? D'ailleurs, examiner, il sait rien, que dalle. Merci Bishop, tu ne sais rien, tu ne mets d'aucune utilité, meilleur personnage. Oui. Je prends le risque d'avoir cet embranchement pour mon histoire. Et nous allons partir du coup à la base des Gitianki. Voilà où va nous mener notre aventure pour cette session. Oh, j'aime beaucoup cette... Oh, j'aime beaucoup la carte. J'aime énormément cette carte, elle est très différente. Oula, la musique par contre... La musique ne m'inspire absolument pas confiance. Oula, attention. Ah merde, ils m'ont vu. Oh, mur de... What? What? Oula, c'est une embuscade. C'est une saleté d'embuscade. J'aime brûler, non. Bon, ils sont pas très très forts, heureusement. Que quelqu'un me protège. Tu vas regretter de nous avoir croisés. Oula, il y a un campement même. Oula, c'était un général ça. C'est vrai que c'était un général Gitianki. Par contre, Kara reste pas là, reste pas dans les flammes, mon dieu. Elle est un peu idiote. D'accord, très clairement, on m'attend.
Très clairement, on m'attend et je n'aime pas bien ça. J'ai récupéré un arc, je viens de voir. Arc long plus 1. Ouais, lui, il a quoi? Oula. Oula. Oula, il va. Ah, il y en a d'autres, bien vu. Patrouille de Guy Tanky. Éclaireur, patrouille. Très bien, ça doit être des. Si, je sais à quoi ça me fait penser cette map. Alors, ça va être. C'est une référence peut-être un petit peu trop précise pour certains. Ça me fait penser à une des cartes dans le jeu Spellforce. Une des cartes assez compliquées d'ailleurs du jeu. Puisque c'est une carte qui ne se fait que en, dans des zigzags. Ah ouais, d'accord, je comprends mieux. Dans des zigzags de montagne. Voilà. Hop là, toi. Voilà, hop là. Peut-être que certains auront la ref et tant mieux quelque part. Voilà, et les gars, avance. Ah, il y en a un dernier, il est juste là. Faudrait éviter cependant, s'il vous plaît, de courir. Il y en a encore un là-bas. Kara, Kara qui est dans les saletés de flammes. Kara qui. Kara elle va décéder, je le sens. Donc vous voyez, Kara quand même, l'IA est un peu nulle. Je continuerai de le dire. Ok. Ça me paraît pas mal, on va s'arrêter là pour le moment. Toi, tu reviens avec moi. Qu'est-ce qu'ils ont laissé? Quelques pièces 7, le drop ne partira pas et une personne ici. Flèche. Ah, on va... Voilà. Oula. Il y a une patrouille qui s'est ramenée. En même temps, la patrouille. Je prends les pièces d'or et je redescends. Ah, la zone d'agro est très particulière ici. Je sens que cette zone va se révéler plus compliquée que prévu. Hop. Alors, Guyenne de la route. Nous rencontrons à nouveau. Ah, vous excellez dans les lieux les plus secrets. Les guides gentils qui sont parmi les plus étranges créatures que j'ai rencontrées. J'imagine que la bénédiction de voyageurs vous a suscité votre opportune intervention. Qu'est-ce qui se passe? Les runes d'Ilfan. Ah oui, c'est vrai, au sommet de cette blague, grande surprise. Au départ, j'étais investi de Guy Tanky. Ils m'ont capturé, je pensais avoir la ferme intention de mettre un terme au voyage, mais ils m'ont d'abord interrogé sur les raisons. Oh! Certaines connaissances des runes d'Ilfan, ils ont choisi de me retenir captif ici. Oh oh, qu'est-ce que tu sais? Je ne parle pas leur langage et je suppose qu'ils avaient envoyé quelqu'un d'autre pour m'interroger. C'est alors que vous êtes intervenu. Ah, ça explique. Je n'arrive à n'érudit les enseignements. Dites-moi ce que vous savez. L'empire d'Ilfan avait atteint l'apogée de sa puissance à l'instar des mains d'empire à travers le temps. Une apathie Netheril, un empire rival n'incarne qu'une menace, jusqu'à un assaut brutal des Netheris. Ils employèrent la puissante magie à l'éradication de la cité, ils n'épargnèrent personne, homme, femme, enfant, ils adressèrent un message à Ilfarn. L'empire comprit cette menace et résolut de créer un gardien suprême. J'ai cru comprendre qu'il avait vu le jour dans une côte d'Ilfan quelque part sur la côte des épées, évidemment, Sword Coast, parce que c'est dans l'univers de Forgotten Realms. Je brûle de trouver cette cité. Eh ben merci pour l'histoire, je vous en prie, mais je dois prendre un congé à présent, je me fais vieux. Bonne route, puissiez-vous découvrir tout ça. Eh ben merci mec. Petite histoire très sympa, avec un petit peu de lore sur Sword Coast, Baldur's Gate, tout ça, tout ça. Bref, un jour Baldur's Gate, faudra que je m'y penche. Peut-être. On va en profiter pour sauvegarder. Et continuer notre exploration. A mon avis, les embuscades vont continuer. Par ici, ça me semble parfait pour une embuscade. Oh oui, ça c'est une embuscade par contre. Je connais. Ah, là-bas. Des Guy Tanky. Ouh là là, des Guy Tanky et il y a même des pièges. Ah, j'aime pas bien ça. Non, 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 protégez Kara.
Bon, Kara s'est défendu. Ce Gichang qu'il a. Et lui est mort. Parfait, parfait. Une épée longue que personne ne peut identifier, sauf Kara. Une faux que Kara va... Oui, je sais ma chère Kara, je le sais que tu es trop chargée. Je veux juste ton avis sur ces armes. Ah, une épée longue et une faux plus 1. Eh ben, quel gars, tu vas encore servir. D'ailleurs, une épée qui va servir et des flèches qui vont servir à notre ami aussi. Ainsi que ceci et ceci. Qu'en est-il ma chère? Flèche plus 1, parfait. Flèche vampirique, de mieux en mieux. Et flèche acide, ah ah. Et ben on va lui donner des flèches plus 1. Ce sera beaucoup mieux dans un premier temps. D'ailleurs je pense que tu peux enlever cette épée plus 1 qui ne sert plus à rien. Une amulette d'armes naturelles. Bah on va lui donner à lui, à moins qu'il en ait déjà une volonté. Il n'y a rien ici, on est encore assez loin et je pense que le plus dur est à venir. Qu'est-ce qu'ils font les deux là? Ils viennent pas. Tiens. Qu'avons-nous ici? L'entrée d'une grotte et un campement. Mais d'avis que cette grotte... nous emmènera vers les ruines d'Ilfarn. Très bien, très bien. Une petite sauvegarde. Un repas. Un repas. Un repos, excusez-moi. Bah écoutez, ça, en attendant que ça serve, on va mettre ça plus loin, très loin, trop loin même. Et puis, hop là. Bien. Oui. Eh bien... Entrons dans la grotte.